Et les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog dissentrois.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu. Donc, c'est pas tout à fait ça que je voulais voir, où ça en était au niveau de la batterie. Allô? Ouais, ça va, il en reste encore un peu plus, comme ça je suis pas obligé de la laisser brancher. Donc oui, on est sur du Judgment sur PlayStation 4. Vous pouvez voir, hop, la petite ardoise qui va juste ici, comme ceci. Je rappelle que la console PS4 m'a été offerte par Celt. C'est parti pour un tour. On va retourner voir ailleurs. On avait terminé toutes les quêtes secondaires, je crois qu'on peut voir dans cet environnement-ci. Donc on est bon. On va aller voir au bureau s'il n'y en a pas de nouvelles. J'aurais passé ma nuit sur le jeu, quoi. C'est un peu n'importe quoi, mais bon. Je sais pas comment je vais faire pour la carte postale de ce mois-ci. Du coup. Ça m'embête un peu. Ça va être un petit peu compliqué. On va aller voir par là. La playlist de Painkiller de K2. Mais est-ce que j'ai perdu de la vie là? Ouais, on va réécouter la musique du coup. Ils disent toujours un peu les mêmes choses. La musique va leur donner un petit peu de... Voilà. On va attendre. Il faut attendre maintenant que le personnage arrête de briller. Ça évitera d'aller payer de la bouffe. Une bonne douche bien chaude pour se réveiller? Non merci. Je m'en passerai bien. Et il est 8h. Je pense quand même que je m'arrêterai peut-être un petit peu plus tôt aujourd'hui. Ça j'avais vu, ça j'avais vu. Ok. C'est bon, je brille plus, on ressort. Placer des trucs. J'ai quasiment rien, mais je peux en placer. Téléphone qui me dit que j'ai reçu des mails. C'est pour ça qu'il est toujours éteint. Si. Il fait 19. Alors, il y a du soleil dehors, donc je sais pas comment il peut faire 19. J'ai pas d'autres objets, vous n'avez aucun objet à placer. Allez hop, oui, quitter. C'est rigolo ça, j'aime bien. Si tu récupères plein de trucs, tu pourras les mettre ici. On laisse bien la musique à fond, histoire de rendre des voisins fous. Oui, allez hop, à la crise, au boulot. Ou plutôt au jeu. Est-ce que là-dedans, il y a des bornes de... Les UFO catcher, j'en vois pas. Donc on va se dire que non. Si j'ai bien compris, il y en a un club Sega qui a fermé à Tokyo, à Akihabara. Alors... Ah mais c'est pas ça que je voulais faire en fait. Bon c'est pas grave, on verra ça une prochaine fois, on va avancer à la quête principale. Pardon monsieur, il faut que j'aille rejoindre le Kyushu numéro 1 star. Quelque chose m'y attend. Ah, c'est lui qu'il faut que je parle. C'est vrai, j'ai oublié les détails. Attori-san. Attori-san. Oh, je t'ai pas oublié, Gami-san. Anta, moshikashite kiji no shashin smaho de totteru? Eh. 十分高画質ですからね。いけませんか?いや、別に。グルメレポーターにでもなるの?私は興味があることは何でも徹底的に取材する主義なので。
210 points de monkey 4000, c'est ça, hein? Oh non, pas 4000, 3000. Un peu moins de 2000 maintenant. Enfin, un peu moins de 3000. À peine plus de 2000, bref. Ouais, je peux ressortir sans aucun problème, donc il faut que je lui parle. Ah, je peux pas avancer ici. C'est bon, j'ai fini, merci de passer. Ah, et 210 points de plus.不思議なもんです。あなたと差し向かいでラーメンとはまさかこんな日が来るなんてね。そういうのいいから。落ち着きませんね、八神さん。あんた今も梶平の会長とはやり取りを？やり取りってほどのことは向こうが呼びたい時に私を呼びつけるだけです。まあ記者としては仲良くしときたい相手ですしね。 せいぜい利用させてもらいます。へえ。八神さんとも仲良くやりたいんですよ。だってほら、この間殺された新谷先生。I'm back. Surtout que le mois prochain, Thomas Fleck, bébé, hein. Petite naissance. Merci en tout cas. Merci beaucoup pour le cadeau de cher. Merci pour le soutien. あなたが第一発見者だったとか。今日はアドデック9を解説してくれるんじゃなかったか。でなきゃあんたといる理由はないな。わかりましたよ。じゃあ今日は一つ貸しってことで。Voilà pourquoi je ne voulais pas lui parler。一般的に新薬の開発というのは まずその病気に効く化合物を見つけることから始まります。それが新薬の候補になるわけです。その効果を動物実験で試し、パスすれば、ようやく臨床試験。臨床試験というのは要するに人体実験のことですね。そうやって何年も、いや場合によってはもっと長い時間をかけて効果や安全性を確認し、 新薬として製品化されます。どえらく大変なのはわかるよ。さて、これまでのアルツハイマー治療薬はあくまで病状の進行を遅らせるものです。完治させるものは一つとしてありません。しかし木戸博士のアドデック9はマウス実験で目覚ましい効果を上げたんです。もしそれが人体にも有効なら、 人類はアルツハイマーを治すことができる。1年前の論文はつまりそういう内容だったわけです。なるほどね。八神さん。ん？今、日本では80歳を過ぎると4人に1人は認知症です。例えば50代の夫婦がいたら、それぞれの両親4人のうち1人が発症する計算です。 さらにその30年後、自分か配偶者が認知症になってる確率は2つに1つ。認知症は誰にとっても一言ではありません。いずれ自分にそれと疑わしい症状が現れたら、私ならすぐ診察を受けますね。中には、うまく病状の進行を抑えながら仕事を続けている人もいます。認知症は恐れるのではなく、 備えるべき病気です。その時一番の敵は。 30 secondes. Je crois que la livraison est arrivée.
ici. Bon, je suis pas loin. Alors attendez, je vais vous faire patienter quelques secondes de plus. Je vais juste couper l'enregistrement. Je vais juste essayer d'ouvrir le ventilo vite fait pour voir si je peux l'installer très rapidement. Parce que c'est nul. Ah, attendez, toc, toc. On va essayer de décaler ça par là pour voir si je peux en faire quelque chose. Et j'arrive. Oh, attendez, je vais voir. C'est bon, j'ai coupé. Non, pas encore. Bon, quelques minutes, ça va prendre longtemps. Tu me dis qu'en 5 minutes c'est plié, mais oui, mais ça peut l'être, mais bon, j'ai pas énormément d'éclairage là-bas, les volets sont fermés encore. Et puis il faudrait que je trouve une prise en dessous, je sais même pas si on a une de libre, peut-être que j'en prenne une qui est ici, et machin. En fait, ça va prendre une demi-heure au total, je pense. Même si ça prend 5 minutes à monter, de vérifier, j'ai pas le temps, ça me stresse de faire ça pendant que j'ai l'impression qu'on a déjà perdu plein de temps. Pardon. Tu ferais même si je disais non, non, pas vrai. Tu achètes ton Mario, le Mario. Salut Misker. Non, non, ça, j'ai pas la place là de faire tout ce qu'il y a. Il y a des gros morceaux. Donc je monte là-bas. Amyloïde bêta, tu as un tampon qui est un petit peu de temps, tu as 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 un petit peu アルツハイマーにはまだわからないことが多いので脳が縮むとどうなる記憶に支障が出ますそもそも記憶には名機の貯蔵検索というプロセスがありますがこの最初の手順である名機ができなくなる新しいことが覚えづらくなるんです一つ私が印象的に思った例を挙げましょうかある認知症患者に日付を聞いたとき、今日は何月何日と正しい答えが返ってきました。ところが、今が西暦何年かと聞くと、1952年かななど、何十年前の年を答えることがあるそうです。C'est un peu le cas de mon grand-père, ça. Sur la fin. 認知症では、そういった記憶の混濁が見られるというわけで。J'espère qu'il me pose des questions après. Et comme j'ai pas complètement écouté ce qu'il m'a dit, peut-être le faire répéter. Fais tatouer mardi un ornithorynque, c'est vrai. En 10 jours au lieu de 2, 2 erreurs d'acheminement du colis. Ah. Attendez, on va relire. Toutes les maladies qui entraînent la démence, Alzheimer représente environ 70% des cas. La maladie viendrait d'une accumulation de la protéine bêta-amyloïde dans le cerveau. Les cellules nerveuses commencent à mourir, la cerveau s'atrophie. Ah mince, pour faire simple. Mais c'est juste une théorie, on va encore beaucoup d'apprendre sur Alzheimer. Et qu'est-ce qui se passe quand le cerveau rétrécit? La mémoire est perturbée. En fait, la mémoire se divise en trois processus, encodage, stockage et récupération. D'habitude, la maladie affecte le premier, l'encodage, ce qui empêche de créer de nouveaux souvenirs. Je te donne un exemple qui m'a marqué. Quand les médecins demandaient à la date à un patient, ils donnaient le jour et le mois correct. Mais pour l'année, ils disaient 1952, son esprit était bloqué plusieurs décennies plus tôt. La démence inhibe les nouveaux souvenirs et mélange les souvenirs existants. Rundel. Très bien. Alors, comment s'y prend l'AD9 pour soigner la maladie d'Alzheimer? Eh bien, selon leur recherche, quand ils injectent l'AD9 aux souris, ça enclenche un processus appelé l'autophagie. Salut Okada, comment vas-tu? Ah,
自分を食べると書いて自食です。その作用で脳にたまるタンパク質であるアミロイドベータが瞬時に分解されるんです。瞬時に。ええ、そのアミロイドベータが消えた結果、マウスのアルツハイマーは完全に進行しなくなりました。しかも驚いたことに、死滅していたはずの脳細胞が一部機能を回復したんです。ある科学者はそれをまるで脳の非常電源が入ったようだと言いました。もしこの作用を人体に対しても起こせたら、アルツハイマーを治せる。そうです、患者は世界に数千万人、今も着々と増え続けています。アドデック9が完成すれば間違いなく莫大な利益を生むでしょうね。売る方にも買う方にもまさに夢の薬です。J'ai pas vu ce tricou. Je vois, c'est vrai, ce serait vraiment le médicament rêvé, mais. 本当にそれは夢の薬なのか。話がうますぎるってこと。はい。例えば、創薬センターの副所長は何かアドデック内に欠陥があると疑ってた。それを嗅ぎ回った結果。秘密を守る誰かに殺された。勇気づりの喧嘩に見せかけて。秘密というとどんな？データの捏造とか薬の効果をでっち上げてたとか。もう面白くない。そういうことなら見当違いですね。なんで？アドデック内の論文発表もマウスで何度も検証されていますし、それを裏付けるデータも揃っています。捏造なんてありえません。あの新薬はすでに科学的に証明された存在なんです。確かです。むしろ私は論文に多少のアラがあってもどんどん開発を進めるべきだと思いますね。認知症治療薬は世界中で開発が進められています。もしよそに先を越されたら国家的な損失ですから。ヒドさんは慎重すぎますよ。いつまでも動物実験してる場合じゃありません。すぐにでも臨床試験に入っていい。s'il avait déjà essayé? 臨床試験っていうのはつまり人体実験です。人体実験、まさか。どうしました？いや、じゃあアドデック9には本当に何も問題ないのか。そうですね、これは強いて言えばの話ですけど、アドデック9の論文は筆頭著者が木戸さんとされていますが、実は論文に箔をつけるために名前を貸しただけみたいですね。研究の実質的なキーマンは別にいて、ほら、あなたもご存知の小野という研究員です。黒幕は小野か。アドデック9は木戸じゃなく小野が作った。そのようですね。まあ単なる研究員の論文では誰にも注目されません。だからその道の権威の名前で発表される方が体裁も良い。でもよく聞く話ですよ。大した問題じゃありません。ショーの幼児、またあんたの名前が出てきたな。Et c'est tout? Il nous met une musique de folie pour nous dire ça? Je saurais pas de mon côté, j'ai jamais fait de tatouage, donc je saurais pas te dire. Toc, toc, toc. Stricou, Stricou. Je viens de me lever, t'inquiète, je suis perdu aussi, mais tu joues à Judgment depuis le début, ouais.
J'avais trop chaud, la tablette chauffe énormément en fait. Je dirais que j'avais trop chaud, je me suis dit c'est même pas la peine de dessiner quoi aujourd'hui. Et comme j'étais bien sur Yakuza, enfin sur Judgment, je me suis dit vas-y, je continue. Ouais, c'était Judgment, j'ai craqué, j'ai fait que du Judgment aujourd'hui. C'est pour ça aussi peut-être que je m'arrêterai plus tôt. On mourit. Chaque année. D'habitude, les gens font un petit truc sur le bras. Bah écoute, tu y allais direct. L'important, c'est que tu l'aies, que ça soit bien passé. Faut que je retourne passer l'affaire en revue au bureau. Donc, Chono serait la tête pensante. Mais si Chono est la tête pensante, il a toujours l'air un peu bizarre, en train de baisser la tête, comme s'il se faisait maltraiter. Donc on sait qu'il a beaucoup travaillé sur le truc, forcément. Sinon il le traînerait pas partout et autres, mais... Il manque combien là pour réussir à acheter le produit? Bon, je regarde après. Si je veux un pass de jeu. On profite pas assez des éléments que nous proposent nos camarades. Voilà, 54 points. Un dos et ça me suffira. Je sais même plus que t'as un tatouage. Faut que je redescende. Terme d'énergie, j'ai assez. Attendez, faites voir, on en est à combien là? Toujours à 20. 15 882, mais ça monte pas assez vite. Plus vite. On va descendre par là. Sérieux? C'est impressionnant ça. Bon, lui a laissé tomber. C'est bon, ils ont abandonné. Quelle idée, Miss Kyo aussi. Yo, kaettaka. C'est pratique que tout le monde soit là. Comment ça se passe? Donc, il va falloir que j'aille parler avec eux, passer l'affaire en revue au bureau. Yagami-san, c'est que les membres qui sont réunis, vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous, d'accord, je m'assois. Voilà, on y va. Mais qu'est-ce que tu nous racontes, Thomas Fleck? Hattori no hanashi da to ne. Demo, Kido ga namae dake no okazari datta tte iu no wa hatsumimi desu. Sou naru to yappari Shouno no hou ni nani ka aru n desu ka ne? Dou darou na. Tada sore yori ore wa Hattori to hanashitete hitotsu kininaru kotoba ga atta. Nan da yo? Jintai jikken. それが？アドデックナインはこれから人体実験に入る段階らしい。人体実験か。なんか連想しちゃうね。目をえぐられた死体とか。アホか。で、その人体実験がどう気になるの？いや、だから、モグラの殺しがさ、アドデックナインの例えば極秘の人体実験だったとしたらどうかな。お前までマジで言ってんのか？仮にモグラの黒幕がショーノだとして。だとしてショーノが殺し屋に何人も殺しを頼んだってのか？やっぱおかしいか。もし人体実験だとしても
認知症の新薬試すのにわざわざ人を殺しますかね。ウイルス兵器じゃあるまいし。そこはほら、未知のものすごい副作用があったとか。殺したかったわけじゃなくて死なせちゃったんだよ。でも実験マウスが全然平気なんですよ。なのにいきなり人を死なせちゃうなんて、まさか。そのまさかが起きたんだとしたら、じゃあアドデック9はマウスに無害で人間には猛毒だったってことですか。ああ、だからその副作用をなくすために何人も実験する必要がある。それで凶霊界の連中を何人も殺してたとか。Je n'aurais pu utiliser la top pour réduire ces yakuza au silence. Matta. そもそも薬の実験ならその病気の患者に試された。Peut-être qu'ils ont essayé avec le vioc en fait. モグラがやった奴らは別にアルツハイマーじゃなかったろ。Même la première victime, c'était Okuzo là où je peux comment il s'appelait. 新薬の臨床試験は健康な人にもやるそうです。薬が人体に安全か確かめるために。最終的にはそうかもしんねえけど、やっぱ最初は患者からだろ。でもさ、勘弁しろよ。ちょっと話、真面目に進めようぜ。Mais le vieux qui est mort à l'hôpital. 人体実験がどうのこうの、真面目に話せねえっつってんだ、アホが。Bah oui. アホ？すべての可能性をちゃんと考察しない人の方がアホですよ。おお、そうかい。じゃあ、あのセンターで殺された枠ってじいさんも人体実験だったのかも。Elle a pas affimé le doigt dessus. なんだよ。ヤガミさんが昔弁護した創薬センターの事件。あの時殺された枠さんは確かアルツハイマーだったよね。それ当たりじゃないですか。ああ、あの事件の被害者は枠っていうアルツハイマー病の患者だった。でも大久保新平は無罪になって、結局今も誰が何のために枠を殺したかは分かってない。トクトクトク、シモチドスマー、c'était un test de l'AD9 sur des humains。まあ落ち着けて。それ3年前の事件だろ。そんな前からアドデック9があったっけか。確かにアドデック9の論文発表は1年前ですね。でも当然研究はそのずっと前から始まってたはずです。ん？え？ってことは、Mais oui, on a une piste. マジかこれ。Re Marguerite。まだ何とも言えませんけど、この話もう少し掘り下げてみません。Continue d'organiser les informations. さっきの人体実験説、もう少し話し合いたいです。続けてもいいですか。ああ、もう。まあ、失敗した。ちょっと、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 On renfreint le protocole pour expérimenter sur Waku. Yappari. Kakitekina Shinyako. Hayaku Hitono Karada de Tameshtakata. Umaku Ikeba Sekai o Scoot Shinyakda. Soredemo Seishkina Tejunu Funde. Linsho Shiken o Yarmadenia Jikanga Kakar. Hetashtara, Nanemo. Soka. Demo Shono no Sobaniwa Ninchi Shono Kanjaga Taksan Ite.ちょっとくらいの実験ならまずバレないでしょうし、逆にうまくいったら万々歳です。それですぐにでも世界を救えるなら、多少危険を冒してでも。でもその結果、ショーノはまさかの副作用で患者を死なせてしまった。3年前の事件についてはやっぱりそれによる事故だった気がするな。なるほど。ただし今は危険を承知で人体実験を続けている。モグラを使って。まだ仮説の段階だけど、
今のところ筋は通ってる。Merci Marie-Gory. Tu es une. Oh, ça déconne tellement. Vivement le bot de Scarab. Merci beaucoup, Willy Conjo. C'est à cette heure-ci que t'arrêtes. C'est quoi ce travail? Quelle idée. Ah, Danou s'est arrêté aussi. Mais c'est quoi tous ces gens qui s'arrêtent? Mais tous ceux que je suis vus se sont arrêtés. Ah non, il reste hors Mac. Ah non, Danou, il est encore en stream. Ah non. En même temps, je peux comprendre, ça va être fatigant pour lui aussi. Merci, Gorgormey. Bienvenue parmi nous, bienvenue dans la ville, assieds-toi confortablement, on espère que tu te sentiras bien ici. Comment ça va? T'as assez bien passé? T'étais sur quoi déjà? Je sais même plus. Witcher. T'étais sur Witcher. Salut, Ostovena. Salut, Lika Glou, je sais pas à qui j'ai pas dit bonjour encore une fois, je suis perdu. Ça sent mauvais ici, ouais, j'ai chaud. Tu es une quiche. Agresse-toi en beaucoup plus petit. Tu disais que t'es plus grand que Hagrid d'origine ou que tu es plus que Hagrid est plus grand que toi? Parce que Hagrid, c'est toi en beaucoup plus petit, donc tu es plus grand qu'Hagrid tel que tu le présentes. Tu es donc un géant tout court, Thomas Fleck. Que de temps, je suis épuisé hier 3h30 de sommeil, je tenais plus, tu m'étonnes. Moi non plus, en ce moment, je t'avoue que c'est un peu plus compliqué. Salut Elon, comment vas-tu? Et merci du coup, Likaglou, ça fait plaisir. Bienvenue à toi aussi. On est sur Judgment, on était en pleine cinématique où ils étaient en train de faire une découverte et peut-être avoir trouvé une piste sur les événements du jeu depuis le début. Peut-être que justement il n'a pas tué sa petite amie. Peut-être que ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Il y a encore une suite. Et n'empêche, c'est pratique parce qu'on n'est pas obligé de saper une cinématique de 50 heures là. Ils nous disent, bah, si jamais t'as envie d'aller faire autre chose, va faire autre chose. Et on passe à la suite après pour la réflexion. Il y a découvert un bug. Un bug? Quel genre de bug? Qu'est-ce qui s'est passé? On gwint. Les serpentards, je savais pas que ça existait, les serpentards. Moi, la dernière fois que j'ai entendu parler de tout ça, c'était les selles d'aigle, les cheetahs, etc., etc. J'ai un clip si tu veux. Oh, ça va, on les connaît maintenant, les clips. On l'a vu, Eli Kwanjo, hein. Mais coucou, mes mini croque-mous. Et oui, moi aussi, je suis un peu cassé et très, beaucoup moins efficace. Tu vois, j'arrive même pas à trouver mes mots. まず 3年前 ショーノがアドテック9の実験中に事故で患者を死なせてしまった。ところがその人体実験は今も続いている。だからハムラやモグラが強霊界の人間を何人も殺している。いや、でもさ、ショーノにヤクザとか殺し屋なんて動かせる？普通の研究員じゃ金も金もないよね。それを持ってる奴が ショーノのそばにいるとしたら、ヤクザを動かせるような人？誰のこと言ってるの？ Ça ressemble quand même à un sacré yakuza, ce monsieur-là, mais c'était pas lui qui était de ce côté-là. Un clip de musique. Attends. Sur les oreilles. Gagner contre le comte Tibalt. Regardez, il y a une tête à gauche. Ouais, je regardais, il y a une tête à gauche. Il y a une tête à gauche qui est en mode Osef. Regardez. On est d'accord là. J'ai fait bosser un bug. C'est énorme. Ah oui. Regardez, il y a une tête Tibalt. Regardez, il y a une tête à gauche. Ouais, je regardais, il y a une tête à gauche. Il y a une tête à gauche qui est en mode Osef. Regardez. On est d'accord là. J'ai fait bosser un bug. C'est énorme. Regardez, il y a une tête à gauche.
gagner contre le comte Tybalt. C'est qu'on la voit bouger un petit peu. J'ai pas compris sur le coup, elle était à tête. C'est quoi le speech? Alors en fait, il faut savoir que ce jeu est un spin-off de la saga des Yakuza. C'est-à-dire qu'il y a 7 jeux qui sont sortis, enfin le 7ème arrive bientôt. Une saga qui s'appelle Yakuza, qui est vraiment extraordinaire, je pense. Je n'ai fait que l'épisode 0 pour l'instant, qui n'est pas le plus vieil épisode, mais qui se situe le plus loin dans le temps, donc en 1988. Et là, c'est un spin-off du jeu, de cette saga-là, qui s'appelle Judgment, qui se passe en 2018, je crois, ou 2017, un truc dans le genre. Et il faut savoir que c'est très très varié comme gameplay. En général, t'incarnes juste un personnage. Alors souvent dans Yakuza, t'incarnes un Yakuza, j'ai l'impression. Mais là, on incarne un avocat qui a réussi à obtenir la libération d'une personne accusée de meurtre. À savoir qu'au Japon, les histoires qui se terminent bien au niveau du tribunal, c'est très 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 rare. Ça représente 99,9% de condamnation au Japon. Et donc réussir à obtenir ce genre de choses en tant qu'avocat, c'est extraordinaire. Le seul problème, c'est que le mec que l'on incarne, juste après avoir accompli la libération, le gars va tuer sa petite amie. Et du coup, le personnage que l'on incarne se dit « Bon, j'ai fait de la paille, je suis nul, au lieu d'être avocat, je vais devenir détective privé, comme ça, là où mon métier s'arrête quand j'étais avocat, et ben mon métier continue quand je suis détective. » Et donc, il s'est lancé dans le métier détective, et là, il est tombé sur une très très grosse enquête, et les jeux de la saga Yakuza, le spin-off complet, en fait, te balancent dans un vrai quartier de Tokyo, en l'occurrence, là, ils disent que c'est Kamurocho, mais je sais plus comment il s'appelle, le quartier d'origine, c'est pas le vrai nom, mais c'est plus ou moins un vrai quartier. Et tu vas avoir 2 tonnes de choses à faire, tu peux visiter les bornes d'arcade Sega, il y a des vrais jeux Sega à l'intérieur, comme Space Harrier, etc. Tu peux faire des... par exemple, Yakuza 0, t'as... En gros, imagine que t'as un jeu avec une histoire principale qui est souvent intéressante. Bon, là, je la trouve un peu moins intéressante sur le long terme que celle de Yakuza 0. Yakuza 0, pour te donner une idée, on y a joué 164 heures, on a fait 64% du jeu en 60 heures. Et en gros, t'imagines que les quêtes secondaires, c'est comme si tu prenais un jeu entier comme Léa Passion, Léa Passion Architecture par exemple, ou Léa Passion Immobilier, j'en sais rien, c'est même pas si ça existe, et ça devient une mini-quête dans un Yakuza. C'est-à-dire que tu as toute une quête où tu vas devoir gérer de l'immobilier, tu as toute une quête où tu vas devoir gérer un cabaret, habiller tes hôtesses, les maquiller, les faire parler, etc., etc. Bref, c'est extrêmement vaste comme jeu, et c'est des jeux qui ont un style un peu comme les animés, où ça va passer d'un extrême à un autre, c'est-à-dire que tu vas avoir un moment où ça va se tasser, un moment où tu auras une phase de révélation. Ils savent très très bien raconter l'histoire en général, même si dans celui-ci je trouve que c'est un peu moins intéressant que Yakuza 0, encore une fois. C'est le quartier spécial Shibari. Je suis pas sûr, je crois qu'il porte un nom très très proche de Kamurocho. Et du coup, bonne nuit, cher camarade Archie. J'espère que tu vas te récupérer. Pom, 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 pom. Bonne nuit, les petits. Voilà, et comme vous pouvez le voir, normalement, je fais pas que du jeu vidéo, mais là, comme il faisait trop chaud, et que la tablette graphique chauffe énormément, j'avais pas envie d'aller travailler et d'allumer des lampes en plus. Donc, voilà. Sinon, on fait du dessin, de l'animation, du papercraft. Je fais aussi des pièces en impression 3D, comme ça, avec des motifs dessus, genre de choses, pour pouvoir faire les trésors de streamer, une vraie Twitch monnaie, etc., etc. On touche un peu à tout, quoi. Ou pas. Bonne nuit, Archie. Bon rétablissement, encore une fois. À la prochaine. Ciao, bisous. Presque une deuxième carte, Phila. Donc, normalement, en gros, je commence là à 21h le soir. On les termine à 10h du matin, même si en ce moment, c'est un peu le bordel, parce que j'ai une situation un peu... Des petits soucis à droite à gauche, on va dire, qui sont pas bien méchants, mais qui font que ça bouffe quand même une partie du cerveau. Donc streamer 12 à 13 heures par jour, ça devient compliqué de les tenir, surtout avec la chaleur. Et du coup, en ce moment, j'ai tendance à avoir un planning qui est complètement aléatoire, mais normalement, on fait 21h-2h du jeu vidéo. Donc là, en ce moment, c'est du Judgment, mais on varie entre 2 ou 3 jeux vidéo en même temps, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire du Judgment en continu, là, maintenant, même si là, c'est arrivé cette nuit. De 2h à 5h, on fait du dessin et l'animation. Ou d'autres choses plus artistiques. De 5h à 8h, on fait un jeu stratégie gestion survie, ça dépend, au choix. C'est pas forcément tous ensemble, ou voilà. Par exemple, on a fait du Frostpunk, on a fait du Age of Empires, on a fait du Settlers dernièrement. Là, on était sur Surviving the Aftermath, il n'y a pas si longtemps. Et normalement, le matin, à partir de 8h à 10h, on fait du papercraft. C'est le fait de faire des maquettes en papier, comme ça, vous voyez, hop, là par exemple, on a une main. Et à cette main est raccroché un buste, à ce buste est raccroché des jambes, etc., etc. Voilà, c'est fait en papier. T'as la rame des questions ? Alors, je sais pas, Thomas Fleck, parce que je t'avoue que chez moi, il fait chaud, mais il fait très frais dans le reste de l'appart. Enfin, très frais, pas très frais, frais. Il fait une vingtaine, 20, 23, 24 peut-être degrés. C'est juste dans cette pièce où il fait 30, quoi. Parce qu'il y a les deux PC qui tournent, plus la console, plus les éclairages, plus... plus moi qui parle pendant plusieurs heures, et voilà. Et Crypt, tu es sublime. De quoi ? Qui est sublime ? Moi ?
J'ai pas tout suivi là. C'est bizarre. Bref, Shigeru Kajira. Kajira. Je parlais bien de celui-ci pour voir. Shono to Hamura no aida o tsunaida no wa Kajihira Group no kaichou Kajihira Shigeru. Mais non, ils se détestent. Ya, sore wa chotto. C'est une bêtise que je raconte. Mogura ga koroshiteru kyōrei kai wa somo somo Kajihira no tegoma desu shi. Oui, ça reste. Shono to Kajihira ni datte setten ga nai desu. À la menthe, j'aime pas le citron. Wakatta. Avant, j'aimais ça. Donc j'ai fait une erreur là. Ja, Shono to Hamura o torimotta tte. Kazami, le ministre de la Santé, peut-être. Parce que c'est lui qui a tout fait foirer. Mais c'est gentil, écrit. 31, ah ouais, quand même. Là, ils me disent que ça va faire 19 ou 20, je sais pas trop. Attendez, du coup, comme j'ai reçu mon colis, je vais virer les sons sur mon téléphone. Mon téléphone est toujours sur silencieux. Ce qui fait que j'entends jamais les appels et les SMS. Comme ça, moi, je suis tranquille. Mais oui, le citron, j'aimais beaucoup ça quand j'étais plus jeune, et puis un jour, en primaire, j'ai goûté la mousse au citron à la cantine. Et ça m'a tellement rendu malade, et j'ai trouvé ça tellement dégueulasse que ça m'a dégoûté du citron. C'est vrai, Andel? Non, t'es pas si loin à une époque, peut-être. On va essayer Kazami, ministre de la Santé, juste pour rigoler. J'aurais tout faux de bout en bout. Et pourquoi pas? Peut-être que c'est les Yakuza qui l'ont propulsé au plafond. Et voilà, trois réponses, deux réponses fausses. Et je choisis les deux. Je suis nul. T'habitais à Thiers? Mais Ryu habite à Thiers. Pas loin. Merci, Kabukicho. À Shinjuku. Kido Ryusuke. Merci le sans-visage, c'est un truc dans le genre là. Kido nara center no kane mo ugokaseru deshou shi. Sou ieba ura shakai to tsunagatte iru tte hanashi mo arimashita ne. Sou desu yo. Kitto Kido mo ichimi desu. Mais oui, forcément que c'est lui après 3 essais. Nan da yo. Datte hora. Rei no ronbun hapyou no toki no kisha kaiken. Ano toki no Kido no kao oboite nai? あんな無邪気なドヤ顔してたんだよ。もし人体実験のことがバレれば破滅なのに。キドってそんなに気も据わってる人？まあそうは見えねえな。あ、まあ、あれ、いや、パッドの回答は正しい。キドが人体実験のことを知らされたのは、あの記者会見の後。そういうことならどうです？あ、まず翔のは何も知らないキド。 Non, non, je n'étais pas jamais mes limites contre toi. Je me suis déjà arrêté plus tôt et j'ai déjà décidé de pas faire stream si je sentais pas du tout, tu vois. En gros, je fais comme avec mes parents, c'est-à-dire que quand je vomissais le matin avant de partir à l'école, mes parents me disaient « Bon, bah t'y vas quand même, et tu verras si tu restes malade toute la journée. » Et je trouve que c'est une très bonne façon de fonctionner. Si tu vois, si je me sens vraiment pas bien, je fais pas live. Si je vois que c'est un peu bancal, je me dis je commence quand même, et en général ça passe après pendant le live. Et voilà. Non, mais je fais attention quand même. Désolé, je vous ai coupé en plein truc. なら、ショーノとキドの力関係は見た目と逆か。ええ、やっぱりモグラの黒幕はショーノですよ。じゃあその場合を、最初にショーノが殺しを使ったのはいつだ。Bonne question élémentaire, mon cher Watson. Il y a 3 ans qu'un Waku est mort. Lorsqu'il a commencé à tuer les Yakuza du clan Kyurei. Je pense que Ashiki était le premier. Waku c'était une erreur. Et c'est pour ça que c'était le bordel. Et Ashiki après. Tu vois, il s'est dit je suis pas passé loin du... En gros Waku est mort. Waku c'est le vieux qui avait Alzheimer. Si je me souviens bien. Donc Waku serait mort.
Il s'est dit, punaise, je suis pas passé loin d'un sacré truc compliqué et de me faire prendre. Et ensuite, hop, il y a 6 mois, quand Ashiki est mort. Parce que Ashiki a commencé à marquer, alors qu'il était avec Shono, le signe qu'il avait les doutes et qu'il voulait tout démonter. Donc Shono aurait protégé son bébé, quoi. Je voterais plutôt pour Ashiki. De quoi ? De l'affaire du dépeceur d'histoire ? Pas du tout. Je regarde pas l'actu, j'écoute pas la radio, je regarde pas la télévision, donc j'ai aucun moyen en dehors de Facebook et autres d'avoir des informations qui tournent. C'est ton voisin ? Vers Lyon. J'espère que tu l'as senti passer. Donc non, j'ai pas entendu de l'affaire du dépeceur, moi. Salut Meldin ou Meldin, je ne sais pas. Chaque fois, j'ai trop de mots de la question. Enfin, j'ai trop posé la question dans le sens où j'oublierai à chaque fois de comment on prononce son pseudo. Et je finirai de faire comme avec Undil. Je répéterai Undil, 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 alors que c'est Undael. Et personne ne me dira rien parce que personne n'osera me reprendre. Bref, je vis au-dessus de son appartement. Ça fait bizarre, les flics à 16h. Désolé, vous devez quitter quelque temps l'appartement pour les investigations. Salut Mister Descoon. Ouais, mais c'est à cause de Space Kairou et la lecture rapide, en fait. Tu survoles le pseudo. Et voilà. Et tu vois, Space Kairou, à chaque fois, c'est... Alors que c'est Space Kairou, c'est pas Space Kairou. Et je fais la même erreur, j'échange le E et le A parce que je lis trop vite et t'as plus l'habitude de lire E-A, comme dans Deal, que A-E, en termes de trucs. C'est vrai ça, Lily? Tu vas dire qu'il t'a chopé dans une ruelle comme ça et qu'il t'a dit, écoute, toi là, tu écorches mon pseudo. Je vais te tabasser. Moi il me l'a pas fait. Moi il a été très sage, il m'a rien dit, il a fait comme si rien ne se passait. Peut-être qu'il me l'a dit au début et que j'ai oublié entre temps, je sais plus. Je pense que c'est ça la suite. Hantoshimaini Hashiki o koroshita no wa Mogura datta to omou. Nande da? Shono ni totte Ado Deck 9 o kagimaru Hashiki wa mezawari datta. Demo hankou toji, Shono ni wa takushi ni notte ta tte aribai ga aru. Kono toki Shono wa 別の誰かに橋木を始末させたんじゃないか。じゃあ例の黒いレインコートの男がモグラだったってことですか。ああ、腕のいい殺し屋なんてそう何人もいないだろう。確かにな。俺もそう思う。橋木が殺されずにいたらそのうち例の人体実験にも気づいたかもしれない。ええ、そうなったら将の立ちは破滅ですから。 Et c'est là qu'en fait, le tueur, depuis le début, la top, c'est Kaito. Il est pas totalement convaincu. Tu as quelque chose à dire, vas-y. Il a plutôt raison. Il faut des preuves maintenant.3年前にセンターで患者死なせたのが翔のって言うんなら、じゃあ、あの事件で疑われてた大久保は完全に潔白だったってことでしょ。そうだ、判決通り。あいつは本当に無実だったわけだ。でも大久保ってさ、その後恋人殺してるよね。包丁で何度も刺して火までつけた。禁酒してたはずが。 相当酒臭かったってね。結局あいつ本当は殺人鬼だったじゃない。だからみんな騒いだんでしょう。センターの事件で大久保を無罪にしたのが間違いだったって。やっぱりあれも大久保の仕業だったんじゃないかってね。でも八神さんとしては大久保が判決通り無実だったと信じたい。 そして寺沢恵美が死んだのも自分のせいじゃなかったと思いたい。違う？
Okubo est encore en centre de détention, je pourrais le voir, mais... il me déteste. Terasawa Emi no ken de Okubo a zutto mujitsu o uttaete ta. Demo ore wa sore o misteta nda. Mou akiramero tte na. Sore demo mou ichido Okubo tte ninge o mitoku beki janai no? Yagami-san ga honki de kono jiken o oikaketai nda. どうする?星野君。はい。大久保新平と面会する。手配。頼めるか。Re, Kipsel。わかりました。Ça va mieux? 署に連絡します。その間に俺は。もう。Loupé, c'est mes bits. Merci beaucoup, Meldine. C'est là que tu me dis en fait, non, fallait dire Meldan. Attends, remontant, on en profite. Meldine, voilà. Pour la prononciation, merci, d'accord. Bon, du coup, c'est bon. Maintenant, il faudra que tu me recorriges à chaque fois que je ferai l'erreur, d'accord ? Histoire que ça rentre bien dans le crâne, parce que, étant donné que j'ai aucune concentration, forcément, et aucune mémoire, ça va être terrible. Tu m'as frappé en tenant par l'école et tu m'as tapé, je sais ce que je dise. Handel ! Tu as vu que les auteurs autolités passent sous le régime de l'AGSA-MDA en janvier 2021 ? On n'a plus à être auto-entrepreneur et ce sera sans doute valable pour tous les artistes, auteurs et créateurs de contenu, donc vidéastes, youtubeurs, etc. Ouais, je préfère rester auto-entrepreneur entre nous. Hein. La maison des artistes, ça m'intéresse pas trop, quoi. Oui, mais avec toi, Lily, qui écorche tous les pseudos. Oh, Phila ! Philas, sportif. Ah, je viens de voir ton message, du coup, qui vient de repopper là. Quelle violence, Lily ! Je suis pas si violent, moi. Bah, t'as dû avoir une absence, c'est pour ça. T'as dû voir rouge, c'est rouge qu'on dit Je sais pas, j'ai pas osé le dire à Eti, mais à toi si. Ensuite, c'est sympa, moi je me souviens plus trop, j'habite au sud de Lyon. Ça, je saurais pas te dire. Toc, 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 ça c'est bon. Un peu de repos, ça fait du bien, tu m'étonnes. Reprend son souffle. Ça rappelle qu'il y a une pièce quelque part dans l'eau là-dedans, pour toi. Je vais pas vous montrer ça, parce qu'il y a trop de bordel autour des pièces. Arrête de dire des bêtises. Chut. C'est pas des bêtises, ça reste dans notre petit secret. A plus, c'est Crip. Bonne journée, prends soin de toi et à la prochaine. Ciao, bisous, que ce soit ici ou ailleurs, de toute façon, on verra bien. Et merci d'être resté sous ce temps. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils me disent de plus ? Je vais voir les documents de l'Okubo. Je vais voir les documents de Genda. On n'a pas de Jihadès ce matin ? Où qu'elle est, Jihadès ? G.A. X.G.A. Ce qui aurait été encore plus cool... pour imaginer chez GA que en fait elle ait plusieurs alertes différentes et qu'à chaque fois ça affiche un meuble différent et qu'elle leur donne des noms. Hughes, comment ça va? As-tu bien dormi? Oui, regarde, j'ai fait des pièces en 3D comme ça. Alors ça se lit plus parce qu'avec la peinture on lit très mal les pseudos maintenant, mais tu vois, ça fait des petites pièces comme ça. Je l'avais déjà montré, mais ça là.
Tu vois, il y a une pièce, c'est marqué Kipsel dessus. On n'en voit rien. Toi, la montre. La couleur. Tu vois, il y a un pseudo dessus, sur les pièces. Voilà. Du coup, ça veut dire que je te dois un poster et tout ça. On a commencé à préparer, à préparer les courriers hier. Oui. Ça pue d'un coup, c'est dingue. Oh, putain, je crois qu'il y avait le feu en face. Allez, faut repartir tout là-haut. Oui. Attendez, faut que j'ouvre Kofi. Donc il n'y a pas de GA ce matin. Ah ça y est, là son Super Mario 3D All Star. Oh mais les gens, c'est pas peine de me taper dessus. Du coup il a ressorti la, la casquette Mario de Kofi. Non pas du tout de vide. Ah dans le jeu pas vraiment non. Thomas Flex, en fait, on va en faire plusieurs selon les activités. Par exemple, quand vous arrivez à 9 mois de sub, 12 mois de sub, enfin un an, peut-être après 6 mois, enfin un an et 6 mois, 2 ans, ainsi de suite, pour les gens qui ont explosé un certain nombre de fois sur les bombes, pour les gens qui sont... On en fera une par mois pour le top sub gift et le top cheers aussi, je pense. Pour le train de la hype, ce genre de choses. J'aurai le plus de pièces, là. Qui m'écrit ? Ah non, non, pas encore, non ! Non, pas vous, je vous aime pas. Oh, qu'est-ce que c'est frustrant d'avoir toujours les mêmes ennemis tout le temps, partout. Je vais devenir riche, alors. Possible, oui. Alors bon, bah c'est... Eh, mais c'est Hughes. Eh oui. On a des VIP par ici. Mais c'est le but, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, vous puissiez... Et je pense que par la suite, si vraiment j'y arrive bien et tout, et que ça se passe bien, j'essaierai carrément de faire des pierres précieuses, c'est-à-dire d'imprimer des pierres précieuses ou des blocs avec l'imprimante 3D, après les mouler et refaire avec des vraies pierres derrière. Si on faisait parler nos points, plutôt oui. C'est tellement mieux dans Yakuza 0 d'avoir les gens qui racketaient. Merci, vas-y, je vais te lui donner de la brochette. Ouh. Là, un truc bien chaud. Ah, ça pique, hein. Ah là là. Tu vas manger, paf, voilà. On se tombe par terre et on enfonce le truc d'un coup de pied. Vas-y. Non. Oh zut, on aurait pu l'avoir sur le coup, là. Oula, oula, il se fâche, j'adore ce genre d'effet. On a affronté ce même personnage 5-6 fois dans la nuit. Caméra ? Caméra ? Non, pas ce coup-là, pas ce coup-là, il fait trop mal. Non, 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 pas ce coup-là, une seconde fois, il fait beaucoup trop mal. J'ai dit non. Tiens, paf dans les genoux. Le one shot. Non mais quand tu vois les coups que tu mets aux gens dans le jeu, à mon avis, mais il m'agace à faire ça. Genre des fois tu le chopes comme ça et tu balances des coups de folie. Avec la trousse de soins qui coûte 70 000 yens. Allez.
Oh punaise, mais non, mais pas ce coup-là, on a dit. C'est bon, je lui quand même. Coucou Mickey McFly, comment ça va? Ouais, les Monsieur Shakedown, clairement, faut les fermer, ça. Ouais, mais les Monsieur Shakedown étaient intéressants. Ils montaient de niveau, il y avait une histoire qui se faisait petit à petit. Là, la menace constante des curés ou je sais pas quoi dans le... C'était pas les curés, les Ken, je sais plus comment ils s'appellent, de ce gang-là. C'est lourd, quoi, mais tellement lourd. C'est toujours, c'est trois mêmes personnes que t'affrontes quasiment tout le temps. Et ça apporte rien. Moi, j'ai pas joué à Street Fighter, pas assez. Attends, y'a pas un popopo dans le coin? Popo, pardon, c'est pas un popopo, c'est Popo. Popo, bonjour. Tu veux me... Pas, voilà, laisse-moi parler. C'est ça que je veux, c'est quoi ça? Ouais, non, mais en fait, ils reviennent trop souvent. C'est juste que c'est trop régulier. Enfin, là, c'est de ma faute. En même temps, il fait chaud, je suis irascible, je me suis pris la tête cette nuit. C'était pas le moment, tu vois, de rester aussi longtemps sur Yakuza, quoi. Enfin, sur Judgment. C'est bon, ça va faire. On ira jouer pendant 12 heures. Enfin, 10 heures. Il y a des choses qu'il faut consommer avec modération, comme on dit. Mais ce soir, on essaiera de faire notre jeu, je sais pas encore quoi. On verra bien. Du coup, maintenant que j'ai un immense ventilateur, j'étais surpris par la taille, je m'attendais pas à ce soit si grand. Je me suis dit, vas-y, j'ai des sous. J'en ai encore pas mal. Je casse pas la tête, fonce. Un Tetris, c'est reposant, un Tetris? Ça dépend lequel? Non? Oh, attendez, où est-ce qu'est le restaurant le plus proche? Là, c'est un restaurant, on est d'accord? C'est des burgers, vas-y, on y va. Petit ornithorynque, Misker a dû s'endormir, tu penses? Non, mais non! On a un truc, il est dans le combat, lui. Hop, 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 attends, attends, on va quand même utiliser un petit truc de soin, hein. Après, je fais un peu n'importe quoi, j'utilise pas tous les pouvoirs qu'a le personnage. C'est chaud de taper au sol aussi. Oui, mon immense bureau, c'est ça. CMB, comme mon bureau. C'est bien ça. Pour quelqu'un qui n'est pas venu, je trouve bien trop renseigné. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'avais déjà tout acheté. Allez hop! On bourrine. Faut manger et hop. Ah non, j'ai raté un morceau. Sur PS1 ou PS2, je sais plus. Sur console, t'es sûr que c'était les Sims 1 ou 2? Parce qu'il y avait les c'était un autre nom. Je suis pas sûr que les Sims sont sortis sur console de base. Ou alors si t'avais un jeu de Sims, je crois, mais qu'il est très bizarre. Eh? Pensez à sourire à charger nos photos en ligne, vous vouliez, en plus de sortir de l'argent. Monsieur, pourriez-vous faire froncer les sourcils? Pourquoi ne pas vous offrir un joli sourire à la place? Bon sang, je voulais juste un burger, comment me sortir de là? Allez, soyez sympa, pourquoi ne pas prendre une photo avec moi? Je m'appelle Anae Ida, en passant. Bon d'accord, je ne vais pas résister à un menu secret. Super, alors c'est parti, on va prendre une photo devant le restaurant. J'ai plus faim, donc je peux même plus le manger. Bon courage, Tipsel, merci encore pour hier soir et pour ce matin, du coup.
Essaye de rire. Fais un truc drôle. Peut-être qu'on y arrivera. Drôle, drôle, je sais pas. Je sais pas ce que c'est le Shibari. Ça me vient, je connais pas. Je crois que je suis trop innocent pour toutes ces choses. Faites-moi voir ce beau sourire, je sais. Essayez de rire pour voir. Yagami charmant, Yagami naturel. Attends, et appuyer sur L3 pour passer la caméra frontale. Inquiet, toc toc toc. Bon, c'était pas si terrible. Ouais. Vous devez peut-être travailler un peu votre sourire, monsieur. Êtes-vous un d'un naturel joyeux? Au moins, on a gagné des points, c'est déjà ça de prix. Ah. Vous me demandez mon meilleur sourire et maintenant vous me jugez? Ne froncez pas les sourcils. Faites reset, c'est plus chouette en attendant les résultats. On a geste atelier. Demain, il y a Red Alice. Mais c'est vrai qu'ils sont encore là et qu'on a encore un niveau de menace élevé. Tu vois, tu peux pas. Dès qu'il y a un niveau de menace comme ça, il s'arrête quasiment toutes les heures de jeu. Donc ça veut dire que ça fait 30 fois ou 40 fois qu'on a ça, quoi. 40 fois maintenant, parce qu'on était à 34 heures hier soir. Quand j'ai hésité à arrêter à 20 minutes. Donc. Tiens, il s'appelle Miyamoto, je crois. Ouh, c'est bon ça. Bonne journée à toi aussi. Ciao, bisous. Il a l'air tellement fatigué, ton gars, mon dieu. Bah, ça fait plusieurs jours qu'il vadrouille, hein, le pauvre. Bon, j'en ai au moins buté un. Les autres sont trop loin. J'ai la flemme. Vas-y, on rentre au cabinet d'avocat. Pardon. Qu'est-ce que c'est, Yagami? 3 ans avant, vous pouvez vous montrer les documents de l'avocat. C'est le cas de l'avocat. Maintenant, Okubo Shinpei et Meiji. Ouais, bisous, crapal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, il se passe un truc là. J'ai compris. Les documents sont prêts. C'est mal, Saori-san. 210 points. Allez, donnez-moi des points en plus. Dou desu ka, Yagami-san? Hmm? Oh, arigato. Sochi no file wa? Terasawa Emi-san no ken ga matomatte masu. Kochi mo hitsuyou ka to. Ya, sore wa... Okubo Shinpei to hanasu nara, mitoita hou ga ii to omoimasu. Hitsuyou nakereba oitoite kudasai. Ato de katazuke masu. C'est sympa les personnages qui t'aident comme ça, tu vois. Et ouais, fila. Donc on y va. C'est Escarab, c'est là, putain, je t'ai pas vu partir. Ah, décollage, bonne suite, merci. Peut-être à tout à l'heure, comme je dis, je pense que je vais m'arrêter un peu plus tôt aujourd'hui. Pas de beaucoup, mais je suis pas sûr qu'on dépasse les 10 heures. J'ai envie d'aller monter ce ventilo. Faudrait que je fasse de la vaisselle, que je me fasse à manger. Terasawa Emi, 事件当時26歳. 2015年12月2日23時頃, 火災後のアパート2階より焼死体となって発見. 胸部には 生前刺されたとみられる傷が15箇所確認。死因は失血死。
軌道にすすがないことから煙は吸っておらず、つまり火災前にすでに死亡していたとみられる。OK。警察は被害者の同居人大久保新平を現行犯逮捕。凶器とみられる出刃包丁からは同人の指紋が検出された。また援助中のアパートから消防隊に救出された際、大久保は酩酊状態にあった。大久保さんは異常者じゃありません。6年前に暴力を振るってからは一滴もお酒を飲んでません。しかし大久保は飲酒した記憶はなく、目が覚めたら火に包まれていたと供述。そして逮捕直後から一貫して無実を主張。 Donc ça pour l'explication c'est une vieille affaire。 どうしてもやんなきゃならねえのか、大久保との面会は。Et donc merci pour l'information encore une fois Méline. Ça pourrait être ça aurait son public. Ouais non, j'ai la flemme. Au début je m'étais dit je vais m'absenter quelques minutes et je vais le monter. Mais en fait il y a plein de morceaux différents, enfin plein, peut-être 6 ou 7. Et j'ai vu vite fait sur le mode d'emploi pour le monter que tu sais il y a des petits trucs à dévisser. Faut enlever, faut décoller un machin, faut remettre, faut revisser, etc. etc. Je reste, c'est bon quoi, on va pas passer des plombs à monter un ventilo. On l'aura pour demain. Hop là. Parfait. さあ、でも彼とはいつかまた会わなきゃって気はしてたんです。大久保新平は確かに俺の弁護で無罪になりました。でも潔白を示す動かぬ証拠を見つけたわけでもなかった。あの無罪は大久保が黒とは言い切れないってだけの判決で、彼の周囲にとってそれは結局灰色の決着だったようです。Je vois mes piles de pièces devant moi, ça fait tellement rire. Enfin, rire, sourire. Tu te retends d'aller te coucher, Saris? Ah, ou ta journée commence? Tu te retends d'aller te coucher, Saris? Ah, ou ta journée commence? ある日ずっとやめていた酒を飲んで恋人に包丁を。お前はそれを自分のせいだと。Pourquoi Shinpei Okubo a-t-il tué Emi Terazawa? Y a-t-il un responsable? Faut qu'on trouve la solution. 俺が殺人鬼を無罪にしてそのせいで寺沢恵美は殺された。Et j'ai fait un cri cadavre, doucement, doucement, calme-toi, le vieux. 20 ans mai, au moins Noël San, Yagami Bengoshi no Saigo no Saiban. Oboete ru yo na? Eh, wasure mo shimasen. Oyaji San ga Bengoshi ta no wa 15 no onna no ko ranbou shite shinaseta tte hannin datta. Nippon juu ga shikei de touzan da to koe wo arageta naka de.親父さんは無罪を勝ち取った。その時さっきだったマスコミの取材に矢上弁護士はこう答えた。弁護人の務めは真実の解明ではない。検察が人を裁くに足りる証拠を揃えてか、それを見極めるだけだってな。あの状況で毅然とそれを言ってのけた。そりゃすげえ勇気だ。そういう強さを見てお前も弁護士に憧れたんじゃなかったか。きっかけはそうでした。でもあの裁判の後俺にもいろいろありましたから。ああ
親父が無罪にした被告人はもしかしたらやっぱり黒だったのかも。釈放後すぐ姿をくらました。すると怒りの矛先はそれを弁護してた親父へ。そして俺の両親は被害者だった少女の父親にめった刺しにされた。それでも親父さんは弁護士として何も悪いことはしちゃいねえ。真実を見つかるのは俺らの義務じゃねえし、大体そんなもん神様でもねえ限り無理なんだよ。お前も大久保を無罪にした時、弁護士がやれる限りの仕事はきっちり果たしてた。俺が保証する。お前も何も悪いことはしちゃいねえ。先生の言ってることは正論です。C'est un peu ridicule là. もし自分の弁護のせいでその後知ってる女の子が焼き殺されたかもしれないとしたら。Mais arrête, il était être innocent. もし先生が俺の立場でもそれは正論だから悪いことはしてないから仕方ないことだって片付けられますか。いい加減にしろ。お前はいつまで過去を引きずる気が済むんだ。Non merci Thomas Fleck, je te laisse faire ce genre de choses. Quitter le Kagiri, c'est ça. Yagami-da. Hoshino, des. Okubo Shinpei, to menkai dekimasu. Shichifuku Dori Nishi no taxi noriba de ii desu ka? Boku mo ima kara mukaimasu nde. Wakatta. Arigatou.Les musiques sont quand même jolies. お気遣い、ありがとうございました。Et donc, coucou gigantesque. 俺が言いたいことは、もう全部言った。どうせ聞きやしねって分かってんだろよ。源田先生。ん？真実を神様だけに預けていたから、俺は、過去を引きずったままなんです。Ouais, je la vois dans mes abonnements là. Et je vois Kofi en fond qui joue à Mario aussi. Hop là, ça c'est bon. Ensuite, Tim écrit. Merci d'avoir dégagé ces types de gang, Kane. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'il est chiant lui. C'est pas sa faute hein. La ville se fait attaquer, moi je l'envoie se faire balader. 9h27. On va continuer encore un petit peu et puis on s'arrêtera pour aller chez Gia. Yagami-san, continuez. Oui. Y a pas de quête secondaire ou d'autres trucs comme ça qui sont apparus entre temps, j'ai pas l'impression. Du coup, on y va. Mince. On est dans le taxi, d'accord monsieur. Attends, moi je me trompe de touche. Et on va au centre de détention de Tokyo. Je suis curieux de voir comment ça va se passer, s'il aura changé et tout. Peut-être qu'il aura une longue barbe. Qui sera tatoué un truc bizarre sur le front. Il a un peu vieilli. ヤガミ先生。ああ、久しぶり。すいません。人と話すの久しぶりで声が。大丈夫。ゆっくりでいいよ。雰囲気変わりましたね。まあ、君の弁護をしてからはもう法廷に立ってないんだ。弁護士を。やめた。代わりに探偵を始めた。神室町で便利屋もどきの俺のせいですか。いや、うん、
悪い。今日はこんなこと話しに来たわけじゃないんだ。3年前の創薬センター、あの事件、君は本当に無実だったか？え、何言ってんです。ふざけないでください。俺は無実です。そのセンターの事件も、エミの事件も、俺は何もやってないって。何ともそう言った。あんただって聞いてたろ。なんで誰も信じてくれないんだよ。Acteur。En plus, je le crois, mais bon. Emi ちゃんの件では、検察に証拠が揃ってた。俺なんかの弁護じゃ無罪にできなかった。できるわけありませんよ。あんただって俺を疑ってたからね。ちゃんと気がついてたよ。俺の無罪を訴えるたんびにさ。あんた、何度も吐きそうにしてたじゃない。あの、じゃあ二つの事件、本当にあなたは潔白？ずっとそう言ってきた。源田法律事務所の星野と言います。八神さんと私たちは創薬センターの事件である仮説を立てたんです。それが、Et ben justement, maintenant que tu le dis, 真犯人が誰だったか聞きたいでしょう。創薬センターの研究員で、ショーの幼児。覚えてます。え？この人が真犯人？でもなんで？今説明するよ。あの事件は、新薬の人体実験による事故。それが俺たちの仮説なんだ。ショーノは実験台にした患者を想定外に死なせてしまい、その死体を慌てて隠さなきゃならなかった。だから俺のトラックに死体を隠した。Non, ce qu'on te dit c'est une théorie, écoute. それ自体はショーノの急場しのぎでしかなかったんだと思う。もし君が死体のことを通報してれば話は変わってたはずだ。でも現実にはそうはならなかった。La police aurait peut-être soupçonné Shono. 俺が死体を山に埋めたから。君が死体を山に埋めたのは実はショーノにとっても幸運でしかなかった。おかげで警察が奴を疑うことはなくなってしまった。あの時はどうかしてたんです。車の荷台を開けたら急に死体があって。でもそんなの警察が信じてくれるわけないって。俺には前があるし、何言ったって信じてもらえない。そう思ったから。やっぱり本当に君は潔白だったんだな。当たり前でしょ。Tintin. Alors je l'ai regardé. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. Il m'a regardé. ありがとう。八神さん。八神先生。俺はエミのことも殺してないんですよ。そっちの方は何も聞いてくれないんですか？もう確かめようがないんだよ。俺だって君が無実であってほしいって、3年前にやれることは全部やった。ほんの少し焼け残ってた証拠は何度も調べた。今になって新証拠でも見つかるか。Bah oui, c'est le but. じゃあエミを殺した犯人はいつか俺が死ぬのを笑いながら見るわけですね。
あの世でエミに合わせる顔ないよ。俺もあんたも。Bonne question, je sais pas, gigantesque. Peut-être que c'est le plan de caméra qui donne un peu cet effet-là. Je saurais pas te dire. Après, je pense pas que ce soit un petit gars non plus, hein. Peut-être qu'il fait 1m80, un truc dans le genre. Est-ce que c'est la fin d'un chapitre ou pas? Non, pas encore. Yagami-san. Boku wa Genda-sensei no tokoro ni modorimasu kedo. Yagami-san wa dou shimasu? C'est sûr, c'est lui le tueur. C'est, j'ai envie de soupçonner tous les gens qui ont l'air innocents, c'est rigolo. Tenda ni kao dashi ni iku. Konya wa sukoshi nomitai kibun dakara sa. Yagami-san. Daijoubu. Ii kara mou ikina. Tu vas pas mourir toi, on est d'accord. Fais gaffe. Alors. On va passer par là. Pardon. Encore des gens. Eh mince, j'ai même pas fait un strike. C'était bien moche. Toi, range ton couteau, suivant. En haut à droite, c'est marqué vous défendre, j'ai lu je vous détendre. Ah bon? Voici un bon conseil, du coup. T'as toujours l'impression que ça freeze quand il lance les cinématiques. Tu dis, attends, le jeu va planter, j'ai pas sauvegardé depuis des années, qu'est-ce qui va se passer? Oui, il y a une sauvegarde automatique, hein, contrairement à Yakuza 0. Ce qui est Yakuza 0. お祝いを言わないとな。法廷に復帰すんだから。法廷に立つわけじゃない。弁護人の調査に協力するだけだ。新谷弁護士はお前の兄弟子だったんだろう。なのにその犯人を弁護するのか。お前、自分が周りとずれてるって気づいてねえだろ。ça se trouve c'est lui le méchant。人殺しを無罪にしたりよ。いい迷惑だ。新谷を殺したのは綾部じゃない。凶器は綾部の銃だった。弾の線条痕が一致してる。ああ。犯人はそうやって綾部をはめたんだよ。スパベンジャー。見えてないのか。なら、そっちの方がよっぽどずれてる。好きに言え。T'es flic, toi, va travailler un peu, feignasse。Alors, ok. Qu'est-ce qui se passe? T'es qui, toi? T'es un nouveau personnage? Dare da, anta? Ore ni nani ka yo? Maa na. T'es qui, toi? Tada no odoshi ja nai te wake ka. もうお遊びは終わったんだよ。やがみ。え？あれ？やがみさん！星野くん来るな！下がってろ。え？そいつ、なんかちょっとやべえやつか。そうみたいですね。J'ai eu peur pendant quelques secondes, c'est à lui qui soit pris en otage ou autre. Bon, on a rejoint le Thunder, c'est pas passé comme prévu. Est-ce qu'on peut avoir une baston, s'il vous plaît? On l'étale, il se barre et on est tranquille. Ouais, je vais faire le malin. Mais non! T'es qui, toi?
Agresseur mystérieux. Ah mais c'est coups qui donnent quand même. En fait. Recule. Aptitude, je peux toujours pas acheter ça. Punaise, à 400 points près, quoi. Je vais le démonter, après j'ai monté de niveau, c'est ça? Ah, cette arnaque. Tu peux esquiver, s'il te plaît, merci. Voilà. Alors, on se sent comment après ça? Viens là. J'en ai marre de l'esquive de ce jeu des fois. C'est un peu le même effet que sur Dark Souls en fait, j'ai l'impression qu'il faut anticiper plus qu'il ne faut... Monsieur était dangereux, mais je l'étais plus. Pardon. On l'a eu. Et t'avais une épée. Moi, j'étais à main nue. Hein. Bon, d'accord, j'avais une chaîne à mon pantalon, mais... Yagami-san. 俺を本気で殺す気だった。ハムラの手下ですかね。カイトだ。大久保の面会うまくいったか。それより今殺されかけたよ。多分ハムラの手下に。何？カイト様も気をつけろ。今どこだ？事務所の近くだ。杉浦もいる。そこは離れた方がいいな。なら。 いいとこがあるぜ。ん？協力会のアジトだよ。KJアートだ。あそこならハムラも手が出せねえだろ。パベ。いや、でも俺らちょっと前に塩屋とやり合った気だし。まあ、でも一瞬ごんこしじゃねえ、コンパン。大丈夫だって。こっちも風邪ひら会長のお墨付きなんだからよ。先行ってる。お前もすぐ来いよ。 KJアートで待ち合わせた。大体聞こえてました。よし、じゃあ行こう。Et du coup le bartender, non? Ah oui, du coup la plaque du bartender est bel et bien coupée. Voilà, c'est classe ça. J'aime bien. Hop là, on va retourner au bureau du coup. Par là-bas, monsieur. Et le nav en ce moment, comment ça? Le navigateur? Tiens, ça plante. Mais on est beaucoup à avoir des soucis en ce moment avec Twitch, hein, en termes de fonctionnement, de... Tu vois même ça, mais il y a des raids qui s'affichent pas chez moi, il y a pas mal de petites choses qui déconnent, j'ai l'impression. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé depuis qu'ils ont fait la conférence PS5, là c'est pas très très joyeux je trouve. Et je cours. Yep, c'est ça. Bon, je suis là, bah, bienvenue dans mon Yakuza. Allez, on y va. ヤガミさん、そちらのお連れさんは源田法律事務所の星野です。そうですか。もうカイトさんがさっきいらしてますわ。あいにく塩屋は不在ですが、村瀬がお相手しますさかい。どうぞ奥へ。Merci. Faut que je monte.
Viens, on monte l'escalier, bonhomme. Toujours pas. Et là ? Bah. Scrognugneux. Retrouver Mouracé. C'est là qu'il est, lui ? Non, c'est pas lui. Je crois que c'est encore au-dessus. Je crois que c'est par là. Voilà, ici. Les portes sont ouvertes, c'est pratique. Non, ça c'était un coffre. Je vois bien qu'il y avait encore un étage au-dessus. Peut-être ici. Non. Pardon, camarade. Ah non, c'est le toit. Ah non, si, un étage ici. Voilà, on a la bonne place, c'est bon. C'est bon. Parce qu'il n'y a aucun autre moyen d'y aller par là. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette scène ? Ouais, j'en ai beaucoup des erreurs, machin, chose aussi en ce moment. Eh ? Oh, le revirement de situation.今度は塩屋にも肩揉ませてみるか。いや、そらさすがにやめといた方がええですな。ま、どうぞおかけになってください。なるほど。じゃあ創薬センターの件、やっぱり大久保はシロなんだな。彼の反応を見る限りは。もしかしたら恋人を殺した件でも無実じゃないかって、僕にはそう見えました。 あ、いや、その話はいいんだ。それはそうと、八神先生。あの人は。やっぱり気になる？突っ込んでもええですよね。悪いけどあいつは、ヤクザが怖いっつってね。そっとしといてやって。そうでっか。ほな、まあ。とにかく、これでますます性能が臭くなったってことでしょ。こうなったら、 ショックで小野に当たるか。この間の様子じゃアポ取れないと思いますけど、小野も木戸もアポなんて入れないよ。これからセンターのロビーで小野を張る。出てきたところを当たればいい。張りくるか。めんどくせえな。いや、海藤さんは留守だ。海藤さんじゃ目立ちすぎるだろ、あんなアカデミックなとこ。 星野君はもう源田先生のところに戻った方がいいしな。はい。でも。オッケー。じゃあセンターには僕が一緒に行くよ。ああ、頼む。Bon, il est 9h47, il était temps qu'on s'arrête. Je vais pouvoir enfin acheter mes trucs là pour mes points et tout. On va pouvoir monter de niveau. Oui, enfin. Ça y est, je peux acheter ça. Augmente, voilà, productivité, augmente considérablement le niveau de vos attaques. Ça donne presque envie de tomber sur un petit groupe pour les bousiller. Juste comme ça, pour voir si ça va vraiment plus vite. On n'avait pas marqué énormément de différence entre les deux, je crois. Je sais plus. Ah bah tiens. Vous tombez tellement bien, vous. Tu vas te calmer, toi. Non mais oh. Bah voilà, ça va mieux. Dans ce truc, c'est si rare. Non mais tu vois, c'est pour dire que ça aurait été tellement frustrant d'avancer si loin et de ne pas avoir un groupe de délinquants alors que on passe notre temps à en croiser quoi. Quand tu dis que t'as envie de tester un peu tes capacités, paf, ils sont plus là. Comme de fait exprès. Merci, venez quand vous voulez. Mais de rien. Merci à toi. Bon allez hop, on va peut-être s'arrêter ici par contre. Parce que je me dis qu'on va lancer une quête si jamais on prend le taxi. Et que ce sera la suite des événements. Et ça je sais pas, on gardera pour la prochaine fois. On a déjà beaucoup trop joué aujourd'hui, 12 heures de jeu à peu près.
enlever du tas de la vie, c'est pas si mal. Voilà, ça va vite, c'est mieux, je me sens plus tranquille. De quoi, Alice? Le non-sens est un calcul par rapport à quoi? Les gens ont encore peur de moi. Voilà, on va s'arrêter devant ce taxi et on va aller chez GA dans peu de temps. Mais d'abord, on coupe la rediffusion, donc j'espère quand même que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous, je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif, n'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstjeux.fr et passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous et à ciao tout le monde, du moins à tout de suite pour la suite du live, sachant qu'on va l'arrêter en très peu de temps. A tout de suite. Pum 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 p